Le projet consiste au remplacement complet de tout l'éclairage sportif du stade de Genève sur 8 à 9 semaines, 8 semaines d'installation plus 1 à 2 semaines de réglage pour l'ensemble des projecteurs. Le remplacement de l'éclairage du stade a été décidé par la fondation du stade pour mettre à jour l'ensemble de l'éclairage et répondre aux besoins réglementaires de la FIFA, de l'UEFA et aux nouveaux besoins de la télévision en termes de qualité d'image lors des matchs. Ça permet aussi de réaliser quelques économies d'énergie puisque le système est beaucoup plus efficace que l'ancien système. Pour ne pas éblouir les caméras de télévision, on doit avoir une hauteur de 40 mètres. Alors au niveau de la tribune principale, on avait déjà cette hauteur de 40 mètres et on a dû surélever la tribune est avec des mâts pour atteindre cette hauteur de 40 mètres, ce qui nous permet d'être en conformité parfaite pour accueillir des matchs UEFA. Les projecteurs ronds, ça c'est les anciens projecteurs. Il nous reste encore trois axes à démonter. Derrière, on a notre équipe de tirage, ils enlèvent les anciens câbles et on passe des aiguilles pour tirer les nouveaux câbles. On a aussi des trois cordistes, donc des gens qui travaillent toute l'année en corde, qui ont l'habitude de travailler en corde et se déplacer entre les axes en corde où nous, on n'a pas accès avec les engins. Et après, on a l'équipe de montage qui installe les nouveaux projecteurs sur les nouveaux supports qui ont été posés. Donc ça, c'est les nouveaux projecteurs. Aujourd'hui, on est sur du LED. C'est les armoires que nos tableautiers ont remplacées, appelant les Watch Genève, où on a aussi le système d'automate ici pour piloter justement tout ce qui est éclairage à distance, relié avec la loge technique. Et ici, on a toutes nos alimentations qui partent pour alimenter justement les drivers, donc les transformateurs des lampes qui sont actuellement allumées et les futures lampes qui seront en face. Normalement, à midi, il ne nous restera plus que l'axe 43 à amener en haut sur le toit. C'est pas grave, pose ta nacelle. Prenez celle-là tout de suite, Anthony et Louis. C'est un gros défi avec la mise en place de beaucoup de nacelles et beaucoup de personnel pour arriver à finir ce projet en temps et en heure. Et aussi, oui, il y a quand même pas mal de la fatigue physique parce qu'on travaille à des grandes hauteurs. C'était aussi dans des mois qui n'étaient pas trop chauds. Donc le profil des personnes qui travaillent ici, c'est des personnes qui sont tous courageux et très volontaires déjà pour commencer. On a des gens qui travaillent en sécurité, des gens qui collaborent et donc une réalisation qui se passe très bien. Tout s'est très bien passé heureusement et je remercie vraiment infiniment toutes les équipes de groupe pour leur travail.